Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une autre émission de Zoom Appalaches. Ce soir, nous rencontrons un monsieur Vachon, Andrew Vachon, qui travaille au Cégep dans le département de la plasturgie. Alors, monsieur Vachon, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Ben, mon nom, c'est effectivement Andrew Vachon. Je suis professeur, moi, au département de génie du plastique au Cégep de Thetford Mines. Donc, moi, j'ai été formé en génie mécanique, ingénieur mécanique, puis ça fait déjà presque 12 ans là, que je travaille comme professeur et chercheur, chargé de projet en recherche au centre de recherche Coalia aussi, qui est aussi à l'intérieur des locaux du Cégep. Coalia étant le nouveau nom du CTMP anciennement. Exactement, le Centre de technologie minérale et plasturgie qui a changé de nom cet été pour Coalia maintenant. D'accord. Puis la plasturgie, la plupart des gens ne savent pas trop c'est quoi. Ils savent c'est du plastique, là. Mais c'est quoi exactement la plasturgie? Oui, effectivement, quand on va dans les écoles secondaires, on se rend compte que les gens ont aucune idée souvent c'est quoi technique de la plasturgie. Donc, les gens pensent des fois même à la chirurgie plastique. On n'est pas vraiment dans ce créneau-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne principalement trois volets. On enseigne les matériaux à base de plastique, de polymère. Ensuite, la transformation de ces matériaux-là avec différents procédés. Et puis aussi, finalement, la conception de produits. Donc, les objets que vous consommez en plastique, il y a quelqu'un qui a dû les concevoir, les dessiner en trois dimensions, donner la géométrie, la forme. Donc, on enseigne à travailler avec les logiciels de dessin pour dessiner en trois dimensions aussi. D'accord. Puis les matériaux composites font partie de ça? Oui, tout à fait. Donc, les matériaux composites, au fond, c'est quoi? C'est un polymère dans lequel on vient mettre une charge qui peut être minérale, ça pourrait être de la fibre de verre, ça peut être même des minéraux, du talc, de la fibre de carbone dans certains cas. Pour Donc, on vient le... mélanger les deux ensemble, mais ça va augmenter certaines propriétés, souvent la rigidité Ben, du c'est ça que polymère. j'allais dire, c'est pour le durcir. Hein. Oui, exactement. Les rendre plus rigides. Et puis, ils vont souvent remplacer à ce moment-là, des fois, des objets qui auraient pu être faits en métaux. Mais là, on va se retrouver qu'un objet qui est très rigide, mais qui est plus léger, hein, parce qu'il est fait à partir de polymères. Le fibre de verre, c'est des matériaux composites, ça? Bien, fibre de verre, au fond, c'est du verre sous forme de fibre qu'on vient mélanger dans un polymère. OK. Et là, on obtient vraiment ce qu'on appelle un matériau composite. Puis on va faire différents objets avec ça, là. Ça peut être dans le domaine du transport. Ça peut être vraiment très vaste, là, les applications de ces matériaux composites-là. OK. Dans les mélanges, on parle de minéraux, mais il y a déjà eu des expériences avec des fibres de bois. Oui. Est-ce que ça fonctionne encore, ça? Oui, il y a certains polymères qui sont vendus, certains matériaux composites qui sont vendus avec de la fibre de bois. Il y a des défis parce que quand on rajoute une fibre dans le polymère, il faut que ça l'améliore les propriétés. Et dans le cas de la fibre de bois, parfois on a des gains, parfois on n'en a pas. Donc quand on n'a pas de gains, ben Ouais. généralement ça ne va pas vraiment plus loin que ça. Puis ça sert à quoi, un composite de fibres de bois? Encore une fois, ça va être pour renforcer le polymère qu'on utilise. Donc, ça peut aussi être bien vu au niveau environnemental, hein, parce Ouais. qu'on utilise quelque chose qui est une ressource qui est renouvelable. Donc, ça va souvent être utilisé pour renforcer le plastique, encore une fois, le rendre plus rigide, par Okay. exemple. Genre des planches de galerie ou... Oui, c'est ça. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, dans les quincailleries, on a même des planches en plastique, hein, Oui, là, oui. qui sont 100% en plastique. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est souvent fait à partir de matériaux recyclés et ça a une durée de vie extrêmement longue. On n'a pas besoin de repeinturer ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages quand même à Okay. utiliser ces matériaux-là. Mais là, vous parlez de matériaux recyclés. Au CTM, mettons, je vais dire au CTMP, Oui, parce chez que Coalia, oui. est-ce que vous vous servez de matériaux recyclés ou des matériaux du plastique qui a été fait à partir du pétrole, là? Oui. Ben, au centre de recherche, autant qu'au niveau de la technique, on utilise les deux. Donc, on travaille, au niveau du centre de recherche, on travaille avec des entreprises. Certaines entreprises sont intéressées à travailler avec des plastiques faits à base de pétrole. Donc, on travaille avec eux, avec ces résines-là. D'autres entreprises sont intéressées à explorer des nouvelles avenues, des matériaux compostables, biodégradables, recyclés. Donc, on va travailler ces applications-là avec eux. Souvent, on va les aider justement à utiliser des anciens objets en plastique puis leur redonner une nouvelle vie. Proposer des nouveaux produits dans lesquels ils pourraient réutiliser ces plastiques-là. Êtes-vous capable de faire la différence entre un plastique recyclable puis un plastique qui ne l'est pas? Ben, la majorité des plastiques, des thermoplastiques de base, sont recyclables à la base. Ils ne sont pas tous en réalité parce que les centres de recyclage ne sont pas toujours
outillé pour faire le tri de toutes les sortes de plastiques différents. Maintenant, une pièce qui a été faite avec un plastique recyclé versus une pièce qui a été faite avec un plastique vierge, non recyclé, souvent la différence est très difficile à voir à l'œil nu. Mais quand on parle de recyclage, il y a aussi du biodégradable. Oui. Ça, il ne faut pas que ça soit mélangé à l'autre. C'est ça. Ça complique un petit peu au niveau des centres de tri ou au niveau des centres de recyclage. Effectivement, ça devrait être trié à part des matériaux biodégradables ou compostables. Donc, on devrait les envoyer dans des endroits où on va favoriser la biodégradation ou le compostage. Fait qu'il faut, dans les centres de tri, il faudrait les séparer. Il y a encore des défis, malheureusement, au niveau des centres de recyclage là, pour séparer ces matériaux. Ouais, ça ne doit pas être évident non plus. Là. Non, c'est ça. Maintenant, il y a des trieurs optiques qu'on appelle. Là, donc, c'est plus fait manuellement par des gens qui regardent l'objet, vérifier les petites lettres dessus. Donc, ça a beaucoup évolué. Ça s'est accéléré beaucoup, le triage. Mais il y a encore du travail. T'sais, il y a encore de la recherche à faire et de l'amélioration à ce niveau-là qui est possible. Vous êtes le seul centre au Québec à donner ces formations-là? Oui, bien, l'école, on est le seul cégep à offrir la technique en plasturgie. Jadis, en 2007-2008, les dernières années, il y avait un deuxième collège qui le donnait à Montréal, qui était ANSIC. Eux ont fermé leurs portes ils ont fermé cette technique-là en 2008-2007, de mémoire. Donc, maintenant, on est les seuls au Québec. On est vraiment le seul cégep qui offre une formation de niveau technique en plasturgie dans tout le Québec. Puis au point de vue inscription, ça doit déborder, vu que vous êtes les seuls. Ça déborde au niveau des offres d'emploi. Donc, on a des compagnies qui nous appellent de partout au Québec. On parle de 500 entreprises, là, grosso modo, au Québec spécialisées qui travaillent dans les plastiques. Malheureusement, au niveau des inscriptions, comme beaucoup d'autres techniques qu'on appelle physiques, on a des défis à relever au niveau des inscriptions. On a beaucoup moins d'inscriptions que ce qu'on devrait avoir pour combler les besoins du marché. Donc, il y a une pénurie, finalement. Il y a une pénurie très forte de personnel formé en plasturgie au Québec présentement. Mais comme cette année, la cohorte de 2020... Oui. C'est de combien d'étudiants? Ça dépend toujours si on regarde ceux qui entrent dans le programme ou ceux qui sortent du programme. Là, présentement, les nouveaux inscrits cette année, on est de l'ordre de 8 ou 9 élèves. Là. OK, je pensais que ça pourrait être plus nombreux que ça. Oui, c'est rarement. On a eu, il y a quelques années, une cohorte de 18 élèves là, en première année, mais ça a été vraiment comme un sommet qu'on a atteint. La moyenne, c'est plus 7, 8, 9, 10 élèves, là, les inscriptions. C'est des étudiants qui proviennent d'où? Les étudiants, ils proviennent principalement du Québec, de partout du Québec. Donc, on en a un peu de la région ici, là, la région de Chaudière-Appalaches, mais on en a aussi des différentes régions du Québec, comme l'Estrie. On va en avoir des fois Montérégie, Montréal. Ça peut venir vraiment de Saguenay-Lac-Saint-Jean, même, où il y a moins d'entreprises un petit peu en plasturgie, mais on a quand même des gens qui viennent du Saguenay. Et on a de plus en plus d'élèves là, internationaux. Okay. Donc, on intéresse beaucoup l'Afrique francophone, principalement. Là. Les pays d'Afrique qui parlent français. Il y a une industrie... La Réunion? Oui, entre autres, l'île de la Réunion, ça appartient à la France. Mais on a beaucoup de pays là, francophones. On pourrait parler Algérie, Tunisie, Maroc. Maroc, c'est très... Il y a beaucoup de plasturgie là-bas. Donc, les compagnies françaises font faire de plus en plus de pièces en Afrique. Question de coût. Question de coût, exactement. Et là, les Africains cherchent à aller chercher de la connaissance dans le domaine de la transformation des matières plastiques. Donc, on les voit de plus en plus là, s'inscrire ou tenter de pouvoir... Des fois, le défi pour eux, c'est de pouvoir venir au Québec pour étudier, là, d'avoir tous les papiers requis. Mais chaque année, là, on voit ce nombre-là augmenter. Là. Ah, c'est intéressant. Mais vous faites aussi de la formation en entreprise parce que la cohorte est faible. Oui. Mais par contre, vous vous déplacez, c'est les profs qui se déplacent? Exact. Ça peut être un peu des deux. On a des entreprises qui sont intéressées à aller voir nos installations, qui sont très nombreuses, hein, grâce entre autres au centre Coalia. Donc, on a beaucoup d'équipements au cégep. On a un centre de recherche qui est très, très bien équipé, plusieurs millions de dollars d'équipement. Donc, on a des compagnies qui sont souvent intéressées à venir faire les cours sur place. Puis moi, je me déplace... peut-être 50 % du temps, c'est moi qui vais se déplacer en entreprise pour aller offrir les formations là-bas. Et la demande, elle est très, très forte dans ce créneau-là. Bien, sur 500 entreprises... Il y a toujours des entreprises intéressées, puis quand il y a une pénurie de personnel qualifié, bien, ça l'amplifie, là, le problème de formation. Les gens veulent se former à l'interne s'ils ne sont pas capables de trouver de la main-d'œuvre déjà qualifiée. Puis pour ça, bien, ils font venir l'expert qui est... C'est ça. Vous êtes combien de professeurs? On est principalement... Ça varie parce que parfois, on a des professeurs qui sont à
temps partiel. Là. Okay. On est grosso modo 4 professeurs à temps plein, un 5e professeur temps partiel. On a un technicien aussi qui est dédié là, uniquement à la plasturgie. Puis ça, j'inclus pas là, le centre de recherche, là, où il y a une équipe de probablement une trentaine de personnes juste en plastique. OK. Eux autres, c'est de la recherche. Là, on parle d'ingénieurs, de techniciens. Donc, au Centre Coalia, il y a des techniciens en plasturgie, il y a des ingénieurs en mécanique, il y a des chimistes, il y a des docteurs en chimie. Donc, il y a vraiment une équipe là, hautement qualifiée là, en plasturgie. C'est de la recherche, recherche et développement. Oui. Vous faites aussi des pièces pour certaines compagnies qui vous le demandent? Oui, ça arrive à l'occasion. Il ne faut jamais se substituer au secteur privé. Non, donc, ce n'est pas notre mission. Mais effectivement, on va aider parfois dans certains cas particuliers des entreprises à accomplir des projets de conception de pièces. C'est là que vous vous servez de la technologie 3 dimensions? Oui, bien, ça, c'est nouveau. On a commencé à s'intéresser autour de 2011 à ce qu'on appelle l'impression 3D. Des fois, le synonyme utilisé, c'est la fabrication additive. Ouais. Donc, où on va fabriquer des pièces couche par couche, plutôt que de les mouler ou de les usiner. Et on a par la suite commencé à avoir un intérêt très fort au niveau des entreprises. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un laboratoire avec des équipements à fine pointe de la technologie, des imprimantes de différentes, parce qu'il y a beaucoup de technologies différentes en impression 3D. Il n'y en a pas juste une. Okay. On peut imprimer à partir de des filaments de plastique, on peut imprimer à partir de des poudres, puis on peut imprimer à partir de des résines liquides aussi. Donc, on a des imprimantes qui font chacun de ces procédés-là. Et les imprimantes sont utilisées, c'est vraiment un laboratoire mix. Donc, les professeurs l'utilisent pour faire de l'enseignement et les chercheurs l'utilisent pour faire de la recherche. OK. Fait que c'est vraiment, on se partage le laboratoire. Là. Et un couche par couche, moi, je connais pas ça, là, mais c'est-tu résistant autant? Ou... Pour le moment, ça fait partie un peu comme les bioplastiques, c'est des nouvelles technologies. Pour l'instant, il y a souvent des propriétés mécaniques un peu inférieures à ce qu'on retrouverait qu'une pièce qui a été moulée par injection, par exemple. Okay. Mais certaines technologies se rapprochent beaucoup là, des anciennes technologies comme le moulage par injection, mais par contre, il y a souvent un aspect financier où ça peut être plus dispendieux pour produire un objet. Si on veut faire des gros volumes de production, l'impression 3D, c'est pas très intéressant. Si on veut faire des pièces uniques ou quelques produits semblables, là, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas besoin de fabriquer de moules. OK. Puis la recherche se fait là-dessus, probablement? Oui, tout à fait. Justement, sur l'adhésion entre les couches, s'assurer que les pièces, finalement, deviennent aussi solides qu'elles le sont avec les autres procédés conventionnels là, qu'on utilise depuis 40, 50, 60 ans. Ouais. Ça fait combien d'années, la plasturgie, que ça existe? Bien, c'est un petit peu nébuleux. Là. Les premiers plastiques ont été découverts vers la fin des années 1800. Là. Okay? Mais au début, on parle d'applications très marginales. C'est des gens riches qui se payaient des boutons de chemise en plastique, des allumes-cigares en plastique, les boules de billard. Donc, c'était vraiment un produit de luxe à l'époque de posséder une pièce faite en plastique. Aujourd'hui, on est dans un scénario inverse. Hein? Et vraiment, la démocratisation des plastiques, ça s'est produit après la Deuxième Guerre mondiale. Là. Je vous dirais, c'est vraiment là qu'il y a eu une courbe exponentielle où les plastiques sont arrivés très, très, très agressivement sur le marché. Donc, on parle de quelque chose qui est quand même jeune. Hein? Ça a à peine 70 ans là, depuis le démarrage là, de la démocratisation des plastiques. Mais ça s'est tellement bien développé qu'on a des mers de plastique maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oui, c'est un gros problème. Souvent, les gens pointent du doigt le plastique. Moi, j'ai plutôt tendance à pointer du doigt certains comportements humains. Donc, le plastique, lui, il se retrouve pas de même par magie dans les océans. Donc, c'est des gens qui vont plutôt que les enfouir, des fois, surtout dans les pays en développement, vont les jeter dans des rivières. Donc, c'est comme si on avait une toilette hein, qui fonctionne en continu. Ça s'en va vers les fleuves, vers l'océan. C'est malheureux. C'est très malheureux de voir ces choses-là parce qu'on le sait que les plastiques, comme je vous ai dit au départ, peuvent à peu près tout être recyclés. Donc, pourquoi ils se retrouvent là? C'est une question, des fois, de comportement, de mauvais comportement qu'il faut changer. Puis, il faut aussi probablement investir pour aller chercher ça, là, ces déchets-là qui ont été laissés dans les océans, parce que ça va avoir des conséquences là, sur les poissons, sur la vie. Ça en a déjà. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, je déplore autant que tout le monde, ces conséquences-là d'utilisation des plastiques, de mauvaise utilisation, souvent c'est la fin de vie des plastiques qui est mal gérée. Mais le problème relève peut-être du fait que ça a pris du temps avant de recycler les plastiques. Je me souviens, à Récupération Frontenac,
ils prenaient pas les plastiques, ou ils les prenaient, ils les mettaient en ballot, puis ils les envoyaient à l'incinérateur, Oui. parce qu'il n'y avait pas de recyclage possible. Un des gros avantages des plastiques au départ, pourquoi les plastiques ont envahi nos vies à ce point-là, c'est que c'est extrêmement peu dispendieux du plastique. Okay? C'est très abordable. C'est fait à partir de pétrole et on a été longtemps que le prix du pétrole était très bas. Et cet avantage-là est devenu à un certain niveau un désavantage. Donc, les centres de recyclage avaient de la difficulté à faire le frais un peu en essayant de recycler le plastique parce que de n'acheter un nouveau, c'était pas dispendieux. Donc, souvent, les gens se tournaient de bord, achetaient du plastique vierge plutôt qu'être intéressés à racheter le recyclé. Fait qu'il faut que le gouvernement aussi aide un peu là-dedans, avec des incitatifs, peut-être même des financements pour les centres de recyclage, pour s'assurer que c'est viable de recycler les plastiques. Il faut s'assurer que, on ne fasse pas ça à perte, parce que sinon, l'industrie privée ne sera pas intéressée à se lancer dans un projet où elle ne fera aucun profit. Donc, c'est là qu'il faut aussi travailler. Je pense que le gouvernement fait des réflexions là-dessus. Nous, on en fait. Nous, on essaie de trouver des procédés de recyclage qui sont de plus en plus économiques, qui sont de plus en plus rentables, qui permettent de reproduire des objets de très bonne qualité aussi. Et ça l'a quand même avancé, là. Il y a quand même eu, si on regarde 1990 à aujourd'hui, par exemple, là, il y a eu des belles avancées, mais il reste encore du travail à faire, effectivement, là. C'est pas complètement réglé, là, cette Parce question-là. que moi, je viens d'un milieu agricole, Oui. et puis il y a les plastiques de ferme. Oui. Puis les plastiques de ferme, assez souvent, sont envoyés au rebut parce qu'ils sont contaminés, ayant été déposés par terre. Il y a une couche de terre ou un. Puis ça, c'est pas pris, ça, au recyclage. Non. Y aurait-tu moyen de le prendre quand même, puis de le nettoyer peut-être quand il est fondu ou. Bien, il faut que ce soit fait avant de faire fondre la matière. Donc, c'est la première étape lors du recyclage, c'est le nettoyage. Et c'est souvent elle qui est dispendieuse. C'est Ben, c'est souvent elle ça. qui cause problème. Il y a eu des projets qui ont été faits dans la région pour recycler les tubulures d'érablière, Oui, aussi. qui ont quand même fonctionné, mais ça prend un petit coup de pouce des fois là, au niveau gouvernemental pour s'assurer que ce soit viable économiquement, parce que l'étape du nettoyage, c'est souvent elle qui est un peu plus complexe. Et si on laisse de la saleté au niveau de notre plastique, quand on va le faire fondre, on va avoir de sérieux problèmes là, par la Ouais, suite, là. des cailloux dans le plastique, c'est pas bon. Ben, c'est ça, puis ça sera pas beau au niveau non plus au niveau de la coloration, au niveau des propriétés mécaniques. Donc, il faut s'assurer d'avoir des plastiques propres avant de les recycler. Puis très souvent, c'est là le défi, là. Là, tu parlais des tubulures d'érablière. Je pense qu'il y a une compagnie dans la région qui a recommencé à les prendre, hein? Oui, j'ai pas les dernières nouvelles, là. Je m'étais informé il y a quelques années où il y avait une compagnie, je crois que c'était en Beauce, ma mémoire est bonne, Oh c'est non, il y en peut-être. avait même une sur la rue O'Meara à Thetford. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un que je connais très bien qui avait commencé cette entreprise-là. Ensuite, il a transféré cette technologie-là à une compagnie en Beauce Ah, OK. qui a poursuivi les opérations de son côté. Donc, c'est vraiment la même compagnie qui a été jumelée à une entreprise. Elle a été fusionnée finalement, une OK. entreprise, a été vendue, une entreprise de la Beauce. Et aux dernières nouvelles que j'avais, mais ça date de quelques années, ça fonctionnait toujours, ce système-là où on OK. recyclait les tubulures là, Mais de. dans les tubulures, il y a deux sortes de plastique. C'est peut-être là qui était un peu difficile de. Quand même, oui, il fallait séparer hein, les chalumeaux de la tubulure parce qu'il ne faut pas mélanger ces deux plastiques-là ensemble. Mais ensuite, il faut laver la tubulure. OK. Donc, souvent, elle n'était pas propre, la tubulure. Donc, encore là, il y a un défi là, Ouais. pour être rentable. Il faut trouver des procédés pour la laver rapidement à faible coût. Puis là, après ça, c'est intéressant Parce de. qu'on peut présumer que quand l'acériculteur sait qu'il va changer sa tubulure, il ne perdra pas de temps au printemps à la Exactement. rincer. À tout laver ça Ouais. une dernière fois, final, c'est ça. Avant Souvent, il va de. laisser ça de même. Donc, il va rester du sucre. Il va rester. Ouais. Idéalement, il faut enlever ça de là avant de procéder au recyclage. Hein, qui consiste, c'est très simple ensuite, là. On prend le plastique, on l'envoie dans un appareil qui a des couteaux, puis ça vient le granuler. Ça le Ouais. retourne sous forme de granules. Puis ensuite, on peut refaire un nouvel objet avec, le Mais quand faire. il est en granule, il serait pas nettoyable plus facilement? Dans certains cas, on peut, c'est ça, c'est envisageable de voir à quelle étape c'est mieux de nettoyer le plastique. Ça peut arriver dans certains cas que ça serait sous forme de granules. Ça dépend, c'est du cas par cas. OK. En parlant de granules, j'ai visité IPL il y a quelques années, Oui. puis
la base arrivait dans des barils de granules comme ça. Oui, même les grosses compagnies comme IPL, hein, on parle vraiment d'un géant, là, c'est une entreprise très, très importante au Québec. Souvent, ça arrive par train, là. On va avoir des wagons de train qui sont remplis de granules. On va les entreposer dans un silo. Puis là, par la suite, la compagnie, par le silo, va venir alimenter ses machines pour fabriquer. Eux fabriquent entre autres beaucoup des poubelles, là, les grosses poubelles Ouais. vertes, bleues qu'on met sur le bord de Des la route. pelles traîneaux. Oui, exactement, des boîtes de toutes sortes. Donc, c'est une belle compagnie québécoise là, qui développe des produits ici au Québec, là. Oui, bien, ça fait déjà plusieurs années. IPL, ça doit dater d'une quarantaine Ah d'années. oui, c'est très ancien. De mémoire, au départ, là, je vous dis ça, il faudrait vérifier l'information, là, mais de mémoire, je pense qu'au début, ils fabriquaient des manches à balai. Ah. Puis c'est dans les années, on recule là, dans les années peut-être 40, 50, 60, là, donc OK. c'est une compagnie qui a beaucoup d'histoire, là. Ben, c'est intéressant. Quand on parle de conception de pièces moulées et extradées, Oui. c'est quoi exactement ça? Bon, c'est. La On va. pièce moulée, là, on l'a abordé un peu tantôt, Oui. mais extradée, c'est comment? C'est extrudé, au fond. Extrudée, ouais. Oui. Au fond, moulé, c'est qu'on a un moule en acier et on va venir injecter le polymère dans le moule. Donc, le polymère à l'état fondu va prendre la géométrie du moule. On refroidit le plastique, ça le gèle, puis on a une pièce solide. Extrudé, au fond, c'est un procédé qui est en continu où on fait passer de la matière dans une filière. Donc, c'est un morceau de métal très chaud. On fait couler la matière en continu dans cet appareil-là. Il va sortir à l'autre bout, à l'autre extrémité de la filière, un profilé. Donc, c'est une pièce qui va toujours avoir la même géométrie sur une longueur très importante. Entre autres, on parlait tantôt des tubulures d'érablière. Bien, ça, c'est fait par extrusion. Ah, OK. Fait que c'est deux procédés qui sont quand même assez différents. Ça demande des connaissances différentes là, pour mouler une pièce par injection ou pour travailler en extrusion. Puis au niveau du cégep, vous avez toutes Oui. ces machineries-là. Oui, tout à fait. C'est ça. On est équipé de plusieurs presses à injection. On est équipé de plusieurs extrudeuses. On est équipé aussi de machines pour faire du soufflage. Donc, les bouteilles qu'on consomme en plastique, c'est fait à partir, on va souffler du plastique. On a des équipements aussi pour faire ce procédé-là. Puis on a une multitude d'équipements là aussi en impression 3D, différentes technologies. Ça aussi, c'est d'autres procédés de fabrication de pièces en plastique. Donc on a plusieurs procédés. On a aussi du thermoformage au cégep. Donc on va partir de feuilles de plastique qu'on fait fondre partiellement et on va les déposer sur un moule. On va faire entre autres des baignoires de cette façon-là. C'est des choses que les étudiants apprennent, ça. Oui, c'est ça, à utiliser ces équipements-là, puis OK. pas juste les utiliser, mais les optimiser. Donc, vraiment produire le plus de pièces possible en une journée, par exemple. OK. Comme, mettons que vous faites des bouteilles d'eau, Oui. des bouteilles d'un litre, Oui. vous les vendez après ou On vous. en, on en fait de ça, on a une petite usine école à l'intérieur de nos laboratoires de transformation. Et l'objectif, c'est ça, c'est qu'avec nos étudiants, on va opérer cette usine-là. Donc, on a certains clients dans la région, je pense à ProLab, qui achètent nos OK. contenants. Ils vont entreposer les huiles là-dedans, les huiles qu'ils vont vendre sur le marché. Donc, pour eux, c'est intéressant d'avoir une compagnie locale qui fabrique. On n'est pas dans les gros volumes de production, là, on n'est pas comme IPL, là, Non. mais c'est intéressant parce que ça permet de rémunérer nos étudiants. Donc, c'est un petit peu comme s'ils étaient déjà sur le marché du travail, mais ils sont avec nous pendant leurs études dans les locaux du Cégep avec les professeurs. C'est intéressant. Récemment, vous avez eu une subvention intéressante. Ça va être un agrandissement au Cégep ou Oui, c'est un agrandissement du Cégep, mais dédié au centre Coalia. De plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, l'objectif, c'est que le centre de recherche s'agrandit, a un chiffre d'affaires de plus en plus important, a de plus en plus d'employés et on manque d'espace pour justement faire des nouveaux laboratoires de recherche. Et cet agrandissement-là va servir principalement à créer des nouveaux laboratoires là, pour la recherche et possiblement peut-être aussi un peu de l'enseignement qui peut se Puis faire. les travaux vont débuter quand? À ma connaissance, les travaux étaient supposés de débuter cet automne. OK. Ça restera à valider, mais les dernières informations que j'avais, c'est imminent, là, le début des C'est travaux. un agrandissement de combien de mètres carrés? J'ai pas le chiffre. Non, ça doit être quand même assez. Oui, au fond, c'est ça, on se rattache directement au cégep de Thetford. C'est un agrandissement qui va être rattaché directement là, au bâtiment principal, là. Donc,
un moment donné, on va voir des étages supérieurs au Ouais, ben cégep. là, je pense qu'on sera pas haut, on sera pas en, c'est ça, c'est pas un gratte-ciel là. Ça va être plus un agrandissement à l'horizontale, mais peut-être qu'un jour on va le On voir. n'aura pas le choix. Ouais, c'est ça, exactement. Ça continue Le de. terrain du cégep devient de plus en plus restreint là. Exact. Alors, il nous reste peu de temps. Oui. Est-ce que vous avez on va dire, un pitch de vente pour votre formation technique? Oui, ben oui, tout à fait. Je profiterai des dernières minutes pour peut-être mentionner qu'on démarre un AEC, une attestation d'études collégiales en fabrication additive. Donc, on va démarrer le cours pour la toute première fois au Québec. Ça ne s'est jamais donné, ce cours-là. On est les premiers à le donner. Ça va démarrer en novembre cette année. Et on va avoir une soirée d'information le 22 septembre en soirée pour ce nouveau cours-là qui va s'offrir à la clientèle adulte. Donc, OK. des gens qui ont déjà le diplôme d'études secondaires, ça va être un cours qui va se donner sur 2 ans à temps partiel, 10 à 12 heures par semaine de cours. Et puis, une bonne partie des cours va se donner à distance, une certaine partie des cours va se donner dans nos laboratoires au Cégep de Thetford. Puis, j'invite aussi tous les étudiants au secondaire là, qui ont un intérêt pour les sciences à venir voir notre site web, à nous appeler directement au département de plasturgie. Ça va nous faire plaisir de les rencontrer. On souhaite avoir de plus en plus d'étudiants en plasturgie. Bien, un gros merci. On aurait pu en discuter. J'ai encore une page remplie de questions, mais on pourrait s'en reprendre Ben oui, une deuxième éventuellement. entrevue. Alors, merci, mesdames, messieurs. Monsieur Vachon, vous pouvez le rejoindre au Cégep n'importe quand ou presque pour des informations supplémentaires. Et merci de votre écoute.